الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا أوفوا المؤمنين اتقوا الله، إيه التقوى كريمية، إيه الفريار دو الله عز وجل. التقوى c'est comment se protéger. التقوى vient de الوقاية. الوقاية c'est la protection. الوقاية c'est comment se protéger. اتقوا الله، craignez الله. Protégez-vous du châtiment de Allah. Protégez-vous de la punition de Allah. C'est ça, اتقوا الله. Ça veut dire obéissez à Allah. Éloignez-vous de la désobéissance à Allah. Car celui qui obéit à Allah, qui s'éloigne de la désobéissance à Allah, il a fait le amal qui est le bouclier qui le protégera yawm al-qiyam. اتقوا الله حق تقاته. Ça veut dire de la manière la vraie, réelle. Comme التقوى le dit pour de vrai. Comme c'est en réalité la تقوى. La frayeur, la crainte, avoir peur de Allah Azza wa Jal avec le amal en conséquence. Pas تقوى avec la bouche et dans le amal rien du tout. تقوى c'est un amal. Le amal du cœur, le amal des membres du corps, tout ça c'est amal. Le amal du regard, le amal avec la bouche, avec la parole véridique, avec la parole qui donne le conseil, avec la parole qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, tout ceci est un amal. Lorsqu'on dit, on dit vrai. Lorsqu'on regarde, on regarde avec iman et avec bon comportement. Et lorsqu'on agit avec les membres, on agit conformément à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il s'agit du cœur, le cœur lui aussi, il est dans l'iman, pas de doute au sujet de Rabbul Alamin, pas de doute au sujet de l'islam, pas de nifar, pas d'hypocrisie, il y a de la sincérité, tout ça c'est le amal. Le amal du cœur est un amal, le amal de la parole, de la langue est un amal, le amal de tout le reste des membres du corps est un amal, et tout ceci, حَقَّ تُقَاتِلْ, ça veut dire comme il se doit, comme il est obligatoire, réellement, comme il est la conséquence d'une telle façon de se présenter avec ta foi, les conséquences donc vont en conformité avec cette prétention. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et veillez à ne pas arriver à al-maut sans être musulman. Veillez à ne pas mourir, si ce n'est en étant musulman. Veillez à ne pas faire de kufr, à ne pas quitter ce monde avec un autre dîme que le dîme de l'islam. وَلَا تَمُوتُنَّ ne mourrez إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ qu'en étant musulman. Ça veut dire que la personne peut être kafir après être musulman. Être kafir après être musulman, c'est quelque chose qui n'est pas seulement lorsque quelqu'un décide de quitter l'islam. Concrètement, et il le sait, il suffit que la personne fasse ce qu'on appelle kufr et irtidad pour qu'elle soit considérée comme kafir et murtad. Lorsque quelqu'un badine avec dîme l'islam,
plaisante avec l'islam et ils se moquent des versets du Coran al-Karim, ils deviennent graveurs ou riyadoullah. Même s'ils lisent, ils ne cherchent pas à quitter l'islam. Même si au fond, si on lui demande est-ce que tu veux être chrétien, juif, tamoul, hindou ou je ne sais quoi, il dit non, moi je suis musulman. Il ne suffit pas d'avoir telle ou telle intention, il faut respecter Al-Din. Quelqu'un qui manque de respect à Al-Din, il devient kafir wa la ya'udhu billahi ta'ala. Il n'y a pas que celui qui ne croit plus. Il y en a qui ne croient plus à Din al-Islam. C'est des kafirs. Mais il y en a qui, au fond, ils pensent que Din al-Islam est haq. Et lorsque on les interroge sur l'ibada, ils viennent faire la masse, ils font rosa. Mais au moment de la colère, ils critiquent Rabbul Alamin. Ils disent, alors pourquoi tu m'as fait ceci et pourquoi tu m'as fait cela? Ou alors ils critiquent Din al-Islam peut-être en plaisantant, en badinant. Rien que lorsque quelqu'un dit du halal, non c'est haram. Ou alors qu'il dit du haram, non c'est halal. Ou quand il dit de ce qui est faux, non c'est pas faux. Ou même lorsque quelqu'un se justifie, il fait quelque chose de mal. On vient lui donner un conseil. On lui dit pourquoi tu fais tant de mal. Pourquoi tu as commis ceci, ceci est haram. Pour ne pas tomber du regard des gens. Pour ne pas tomber de l'estime des gens, il va se justifier. Il va dire non, ce que j'ai fait moi, c'est haram. Lorsque quelqu'un dit de l'haram, de l'injustice, de l'abus, parce qu'il dit de cela est haram, ça veut dire qu'il a rendu le haram halal. Il a rendu l'injustice comme étant le droit. Ça veut dire qu'il contredit l'islam. Ça s'appelle takzib. Takzib, ça veut dire ne pas donner l'accord. Il est en train de démentir, de renier. Et celui qui renie, même en plaisantant, même en se justifiant, ça s'appelle kufr wa riyadu billahi ta'ala. Il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas être dupe. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé un insan et le insan, il est faible. Le insan, il est faible. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Le insan a été créé faible. Autour de lui, il y a tant de tentations. Autour de lui, il y a tant d'ennemis. L'ennemi Iblis et ses soldats, les shayatins. L'ennemi, il est en la personne, entre nos cœurs à nous-mêmes. Dans nous-mêmes, il y a notre nafs, l'ammar, le sou. Elle aussi, c'est notre ennemi. Notre ennemi, ce sont nos envies, nos penchants, nos tentations tout autour de nous. Nous vivons avec. Voilà, les ennemis de la personne elle-même est parfois ennemie d'elle-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des ni'mas. Ni'mas, parmi ces ni'mas, il y a les richesses, il y a les arts. Il y a la facilité et le confort. Ça aussi, ça peut être l'ennemi de toi-même, ya insan. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la joie d'avoir des enfants. Même les enfants, ça peut être notre ennemi. Parfois, l'enfant, il est ennemi lorsqu'il grandit et il commence à se chamailler avec nous. Lorsqu'il commence à nous bousculer, à être haq, qu'on appelle le désobéissant à ses parents. Mais il n'y a pas que celui-ci qui est ennemi. L'ennemi est celui qui va nous charmer. L'ennemi est celui qui va nous dire qu'il est faible, qu'il a besoin de notre soutien et qui va nous pousser dans la tentation d'aller chercher de la subsistance dans le haram rien que pour satisfaire ses envies, parce que nous l'aimons. Parce que aimer l'enfant, ça peut être cela aussi, être tenté pour satisfaire autour de soi par on ne sait quel moyen et qui peut être un moyen haram aussi. Voilà aussi un ennemi. L'ennemi est celui qui te mène dans Jahannam. Aujourd'hui, une salle
vois pas Jahannam. Aujourd'hui, Insan, tu ne vois pas Yawm al-Qiyam. Tu n'es pas en train de regarder avec tes propres yeux ce qui t'attendra. Mais quelqu'un qui est mu'min, réellement mu'min, il n'a pas besoin de voir avec ses yeux. Il voit avec son iman, parce qu'il a un yaqin au fond de lui. Et ce yaqin, c'est un yaqin avec la certitude donc par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah, ce qu'il a promis est haq. Rien que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous le promet dans le Coran, et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'annonce par sa parole, ça veut dire que pour nous, c'est une certitude. C'est comme si on était en train de regarder, de contempler avec ses propres yeux. Mais alors, quelqu'un qui a oublié, quelqu'un qui ne regarde pas avec son iman, quelqu'un qui n'a pas cette conscience au fond de lui tout le temps, constamment, quelqu'un qui regarde juste devant, pas très loin. On dit en général qu'il faut regarder avec son yaqin et avec ses valeurs, avec son iman et les préceptes de Dieu, et non pas avec les sens, et non pas seulement avec les envies et les besoins. Il faut regarder avec ses valeurs aussi et sa aqida. Mais alors, quelqu'un qui ne le fait pas, il est en train de suivre les tentations, et ces tentations en nous-mêmes, c'est notre épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala donc, il nous ordonne d'aller au-delà de ce que nous conseillent nos ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, en nous conseillant de nous éloigner des conseils du shaytan, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. أَفَتَتَّخِذُونَ, est-ce que vous le prendrez lui, c'est-à-dire Iblis, وَذُرِّيَّتَهُ, ça veut dire les démons, les shaytans qui sont de la descendance de Iblis. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ, des alliés, des gens pour vous soutenir, Mindouni, au lieu de me prendre moi votre wali. Allah Ta'ala il nous dit, il dit à l'insan, ya insan, ô vous les insan, afatattakhidouna wa dhurriyatahu awliya Mindouni, est-ce que vous allez le prendre lui et ses descendants comme des wali, comme des soutiens, comme des alliés, au lieu de me prendre moi comme allié? Bi'sa lil-zalimin badala, quel mauvais remplacement que vous avez choisi, vous les injustes. Les injustes ont choisi leur ennemi comme ami, celui qui va leur conseiller le mal, celui qui va les jeter en Jahannam. En réalité, l'ennemi, c'est pas celui qui va nous priver de manger. L'ennemi, c'est pas forcément celui qui va nous regarder avec un regard dur. C'est pas forcément lui l'ennemi. L'ennemi n'est pas forcément celui qui ne vient pas nous réconforter dans certaines situations. L'ennemi est celui qui nous conseille le haram, qui nous tente avec le haram, qui nous éloigne, qui nous détourne des enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, la dunya, elle est ainsi, notre ennemi. Lorsque on touche la peau du serpent, c'est lisse. Si on ne sait pas que c'est un serpent, on a l'impression que c'est agréable à toucher. Mais il s'agit d'un ennemi qui va mordre et qui va tuer. Et il s'agit de la même manière que celui qui peut nous regarder avec un joli regard. Quelqu'un avec une proximité peut-être agréable, mais en conseillant non pas l'akhira, en conseillant les choses de la dunya. Parce qu'il s'agit d'un enseignement. Il est obligatoire que l'enseignement soit l'enseignement de Rabbul Alamin. Que ça plaise ou que ça ne déplaise, que ce soit agréable à écouter ou pas à écouter, il faut contraindre Al-Nafs pour que Al-Nafs apprécie la parole de Rabbul Alamin, apprécie la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Al-Nafs n'accepte pas le conseil, eh bien, elle fait partie de ces insans qui courent à leur perdition.
والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله تعالى شو قال العصر قدام؟ إن الإنسان لفي خسر. سرت الإنسان الكور أسبت أسبت ديسيو. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا. الإكسيبسيون دو كي؟ سو كي سون مؤمنين. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سو كي سون مؤمنين. كي أجي أفيك لي بونز أكسيون. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إل سو سون دوني لي زان لي زون ميتويلمون. لو كونساي دو الحق دو دروا. وتواصوا بالصبر. إل سو سون دوني ميتويلمون توجور لو كونساي. الصبر. C'est pas grave. La privation, c'est pas grave. La douleur, c'est pas grave. On t'a donné un conseil, tu as pris ça comme une mauvaise remarque. C'est pas grave. Ce n'est pas une mauvaise remarque. C'est ton nafs à toi qui est orgueilleux. Et l'orgueil, c'est une maladie. Ce n'est pas parce que tu as pris les choses à cause de ton orgueil, comme étant quelque chose de désagréable, que ça l'est pour de vrai. النفس c'est comme l'enfant. L'enfant quand on le prive, il pleure. Mais ce n'est pas parce qu'il pleure que lui il a raison, qu'il faut céder à ses pleurs. Il faut toujours regarder avec la justice, avec la lucidité, la tête bien sur les épaules. Et non pas céder aux pleurs de l'enfant. Et non pas céder non plus, et ne pas céder non plus à l'envie. Le besoin de celui qui est grand et qui a un neuf, pareil qu'un bébé qui est en train de pleurer pour un petit bonbon. Il s'agit donc de Al-Haq, le droit. C'est quoi le droit? C'est dire Allah Azza wa Jal. Celui qui est ton ami est celui qui te mène dans le chemin de l'Jannah. Celui que tu fréquentes et tout le long de ta vie, tu ne récoltes de lui que autre chose que le chemin de l'Jannah. Que souffler, que sourire, que plaisanter, que rire, celui-ci n'est pas ton ami, celui-ci c'est ton ennemi. Tu n'as pas le temps à perdre, tu as le temps à vivre dans ta foi. Ittaqullah. Lorsque tu arriveras yawm al-qiyam et ton amal va être pesé dans al-mizan, et tu vas voir toutes ces tonnes d'amis que tu avais, tous ceux qui t'ont fréquenté pendant de longues années, jour après jour, et tout ce que vous aviez partagé dans ce monde, c'était des repas, c'était des plaisanteries, c'était des rires, c'était caresser dans le sens du poil, et jamais le conseil pour te donner ce qui est haq et droit, jamais te conseiller. Jamais te conseiller pour t'éloigner du chemin de Jahannam. Si ce n'est, donne-moi, je te donnerai. Aide-moi, je t'aiderai. Tout dans la dunya. Et quoi pour Allah? Rien. Eh bien, ce jour-là, la personne comprendra. Mais c'est trop tard. Parce que le jour du Yawm al-Qiyam, ce n'est pas le jour du Amal. Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala anhu, il a dit Irtahala bi dunya wa hiya mudbira. La dunya a commencé son voyage et il est en train de partir. وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ وَهِيَ مُقْبِلَةٌ. Mais la akhira, elle a entamé son voyage et il est en train d'arriver. وَلِكُلِّ مِنْهُمَا ذَنْبٌ. Chacune d'elles a des enfants. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ. Soyez les enfants de l'akhira. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. Ne soyez pas les enfants de la dunya. اليوم العمل ولا حساب. Aujourd'hui, عمل et pas de jugement. Aujourd'hui, عمل mais pas de jugement. وغدا من حساب ولا عمل. Et demain, ce sera le jugement, il n'y aura pas de عمل. Lorsque un mort arrive, l'homme il va dire قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا. Il va dire irji'un ramenez-moi à la vie la'alli a'malu saliha. Comme ça peut-être je recommencerai à agir dans les saliha, dans les bonnes actions. Kalla, non. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa lan yu'akhir Allah nafsan idha ja'a ajalaha. Jamais Allah ta'ala ne donnera un repas à une âme
l'insan, lui, il est adoul. L'insan, lui, il fait les choses dans la précipitation. لقد خلقنا الإنسان الله سبحانه وتعالى il a dit qu'il a créé l'insan et Allah سبحانه وتعالى il a expliqué dans plusieurs versets du Coran que l'insan il est dans العجل. العجل, la précipitation. الإنسان il est ضعيف, il est faible. الإنسان لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. Ça veut dire il fait tout le temps du kufr, il fait tout le temps. Il fait tout le temps du renoncement. Il renonce, il renie aujourd'hui la ni'ma. Et à ce moment-là, il va dire, ça c'est de moi-même. Et après, au moment de le bala, il va dire, au moment de le bala, il va commencer à avoir, il va commencer à avoir la tristesse, le grand chagrin, comme s'il avait tout perdu. Alors que celui qui a perdu, c'est celui qui a perdu l'iman. C'est celui qui a perdu la bonne action. C'est celui-ci qui est le perdant. Non pas celui qui a été dans le bala quelque temps, dans la tristesse quelque part, dans la privation quelque part. C'est celui qui a été privé de son iman qui est le perdant. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne le conseil afin de ne pas être dupé par cette dunya et par les enfants de la dunya. La fréquentation, c'est quelque chose qui va mener soit dans la bonne action, soit dans la mauvaise action. Et lorsque l'ami, lui, il a été tout le long de notre vie en train de nous conseiller autre chose que pire. Yawm al-Qiyamah va être l'ennemi et on le verra réellement ce jour-là, selon sa vraie réalité. Allah Ta'ala dit Al-Akhillahu yawma'idim ba'duhum li ba'dil adou, illa al-muttaqin. Al-Akhillah, les amis. Yawma'idim ba'duhum li ba'dil adou. Ce jour-là, ils seront ennemis les uns des autres. Ça, c'est les amis d'aujourd'hui. Les amis d'aujourd'hui, demain, ils seront ennemis les uns les autres. Pourquoi? Illa al-muttaqin. Sauf ceux qui étaient dans la taqwa. Dites-moi quelqu'un qui vous a fréquenté pendant 60 par année. 20 par année. Jamais il vous a expliqué qu'on n'a pour l'alamin. Rien ne lui ressort. Que Rabbul Alamin n'est pas un corps. Jamais il vous a expliqué que Rabbul Alamin n'est pas assisé. Jamais il vous a expliqué que Rabbul Alamin il est dans un, il n'est pas dans un endroit. Jamais il vous a expliqué que les Anbiya Kiram, ils sont préservés. Comment vous allez préserver votre iman et arriver jusqu'à Al-Maut musulman? Comment arriver à l'iman? Comment arriver à gagner ce iman et à le préserver? Avec l'ignorance ou avec la connaissance? Si c'est avec l'ignorance, eh bien l'ignorance, ça sera meilleur que le ilm. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé l'ignorance. Il a blâmé al-jahl. Et il a félicité ceux qui ont la connaissance et le ilm. Allah ta'ala, il a dit, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Lorsque vous allez fréquenter quelqu'un, fréquentez celui qui ne va pas vous caresser dans le bon sens du poil. Celui qui va vous dire, ça c'est Al-Haq. Pas celui qui va vous insulter, mais celui qui va vous montrer Al-Haq. Mais comment le montrer Al-Haq? Avec ses propres conseils que lui-même il a inventés. Le dîn ne s'invente pas. Le dîn est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est la parole et l'action de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui est le Rasul d'Allah, qui est le Nabi d'Allah, qui est l'élu d'Allah, qui est le Mustafa, qui est le Mahbub d'Allah, qui lui est le meilleur de toute la création, Allah ta'ala dit de lui, وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ. Jamais il ne se prononce à partir de sa propre passion. Ce n'est qu'une révélation qu'il reçoit. Si notre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, celui à l'intelligence incomparable à toute autre intelligence, plus intelligent que tous, il peut analyser, il peut comprendre, il peut faire comprendre, lui qui connaît plus que tout le monde, eh bien lui,
il ne se prononce pas à partir de l'hawa. Il nous enseigne comment un être daïf, faible comme nous, va pouvoir expliquer à sa façon et non pas comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si l'un de nous il est aachiq de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il va oser dire les choses de son propre chef, de son propre intellect à lui, alors qu'il est en train peut-être de contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit donc de s'attacher à la taqwa. Et s'attacher à la taqwa, ce n'est pas un slogan qu'on crie, c'est un amal. Un amal du cœur, un amal avec la parole, un amal avec le regard, un amal avec les bonnes actions, en suivant quoi? Les valeurs de Rasulullah. Et ces valeurs-là, on ne peut pas les avoir sans avoir le ilm de dîn. Et le chemin de l'ilm de dîn, voilà les ustaz et les ulama. Tu peux rester 1000 années en train de faire des ribards. Si tu n'as pas étudié la aqida, comme il l'a dit Sayyiduna Ibn Abbas radiallahu ta'ala. Il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Shaytan, il est beaucoup plus content lorsque un faqih, un alim dit, décède, que lorsque un abid décède. Alors il a dit, les shayatins sont allés voir leur chef Iblis. Ils lui ont dit, nous avons remarqué que lorsque un abid meurt, tu es content. Mais lorsque un faqih, un alim dit, meurt, tu es encore beaucoup plus content. Pourquoi? En fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la mort d'un abid et la mort d'un faqih, c'est pas pareil. La mort d'un faqih, d'un alim dit, c'est plus dur contre Shaytan que la mort de 1000 abid, 1000 adorateurs. Alors Shaytan, Iblis, leur maître et leur chef, il leur a dit, on prend la forme humaine et venez voir. Ils ont pris la forme humaine, ils ont frappé à la porte d'un abid. Le abid, il fait tout le temps namaz, il fait tout le temps rose, il est tout le temps dans la privation. Il ne veut pas fréquenter les gens parce qu'il ne veut pas être tenté. C'est une bonne action ça, quelque chose de glorieux ça. Et alors, ils entrent à l'image humaine et lui disent, nous avons une question à te poser. Une question. Est-ce que Rabbul Alamin peut mettre tout ce monde et tout cet univers dans un œuf? Le Arabe, il n'a pas étudié. Le Arabe, tout ce qu'il sait, c'est faire ibad. Mais il n'était pas Arabe, nous dit. Il leur a dit, moi je ne sais pas. Allahu Akbar. Soi-disant, il est en train de faire de la modestie. Il dit, je ne sais pas. Shaytan, Iblis, il prend ses élèves et il sort. Il leur a dit, regardez, il a fait ibad à combien d'années cet homme? Il a fait kufur en un instant. Juste parce qu'il est jahil. Juste parce qu'il est jahil. Qui ne sait pas qu'Allah a la kulli shayi qadir? Qui ne sait pas si c'est un musulman qu'Allah peut tout? Il leur a dit, venez voir avec moi un homme. Ils ont pris la forme humaine. Il frappe à la porte d'un faqih dans alim al-din. Il lui pose la même question. Ils lui disent, est-ce qu'Allah ta'ala peut mettre cet univers dans un œuf? Il leur a dit, Allah a la kulli shayi qadir. Allah, il peut tout. Qui sait? Qui ne sait pas? Celui qui sait, il sait à partir du Coran, il sait à partir de la Sunna. Et cet exemple a été donné par Hadrat Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala. Ainsi, il y a une salle. Tente ta chance de ne pas oublier d'être plus fort que Al-Nafs, d'être plus fort que le confort, d'être plus fort que les envies des uns et des autres, soit dans Al-Haq et avec Al-Haq, et non pas seulement fanatique de l'un ou fanatique de l'autre. Il ne s'agit pas ici d'une ferme ou d'un verger, il ne s'agit pas d'un marchand avec des clients, il s'agit de Rabbul Alamin, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que ça plaise ou que cela déplaise, c'est une question de nafs. On écrase Al-Nafs. Al-Nafs n'a pas été créée pour qu'elle nous contrôle. Elle a été créée pour que
nous, on contrôle. Et comment contrôler Al-Nafs? Avec Al-Haq. Et comment connaître Al-Haq? Avec Al-Din. Et comment avoir Al-Din? En étudiant avec les ulama. Et en pas en fréquentant ceux qui vont nous faire perdre notre temps. Je vais vous donner une baraka, je vais vous donner ceci, je vais vous donner cela. On les fréquente, on leur donne l'argent de notre vie, on leur donne le temps qui est réservé à notre famille. Et en fin de compte, on sort plus jahil, puisqu'on l'a toujours été. Et celui-ci, il le regrettera. Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu, il a dit An-nasu niyam. Les gens sont endormis. Au moment de leur mort, c'est là qu'ils vont retrouver la conscience. Paradoxalement, quelle contradiction! Au moment où on a les yeux bien ouverts, nous sommes capables de frapper, nous sommes capables de mentir, nous sommes capables d'être des ennemis, des adversaires forts, puissants. Nous sommes dupés par la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Paradoxalement, ce moment-là, on est inconscient. Parce qu'on ne regarde pas au-delà de nos sens. On ne regarde pas au-delà à partir des cieux de l'Iman pour voir ce qui nous attend yawm al-qiyam. Ne soyez pas dupés par la santé. Ne soyez pas dupés par la force d'aujourd'hui. Regardez avec votre Iman. Ainsi, vous êtes dans la taqwa. Et ainsi, vous préservez votre Islam. Subhanallah.